baleinière, Lucille. Ton cachalot a eu une grosse journée. Comme d'habitude, sans butin. Scampi, qu'est-ce qui te prend? Elle est amoureuse d'Aldo Macro et lui, il l'aime pas. Sale petit congre, attends un peu. Aïe. Les enfants, ça suffit. Oh non, sac à main. Corne de mulot, il a tout bouffé. C'était des cervelles d'encore nez rôti en plus. T'as prévu autre chose, hein, ma petite sardine argentée? Mais non, je fais avec les moyens du bord, figure-toi. Je fais avec ce que tu me donnes. Autrement dit, pas grand-chose. Hé, hey, oh! Et qui c'est qui a trois bouches à nourrir ici? Sans compter cette bouche inutile, ce voleur, demain à la SPAA. C'est quoi la SPAA? C'est la Société Pirate d'Abandon des Animaux, si tu veux le savoir. Super Pirate, faites que sac à main aille pas à la SPAA. Je mettrai plus de lézards dans les chaussettes de papa pour faire croire qu'elles sont devenues vivantes. Et je dirai plus jamais « morue fiente de thon ». Mais faites que sac à main aille pas à la SPAA. Ça va pas, hein? Écoute, papa ne veut plus de bouche inutile. Si sac à main devient utile, il le gardera. Il sait forcément faire quelque chose, ce croco. Tout le monde sait faire quelque chose. Bon, ben, bonne nuit, petit frère. Super Pirate, je vous en supplie, faites un miracle. Pirate féroce, stupide et sanguinaire, ouais, mais pas un monstre abandonneur de crocos. J'aime mieux ça. Va vite le dire à Bigorneau. Salut, Scampi. Salut, Pain. Bonjour, maman. Bonjour, chérie, tu as bien... Mais enfin, c'est quoi, ça? Ça? Oh, ben, comme Aldo regarde que les filles qui en ont... Je me suis dit que si j'en avais aussi, je serais peut-être un peu moins transparente. Chérie, crois-tu qu'un garçon qui ne voit que ça vaille la peine que toi, tu t'intéresses à lui? Allez, enlève-moi donc ce truc. T'as raison. Je vais être sûre d'être aimée pour moi-même. Retrouvez Bigorneau, il est plus dans sa chambre. Oh, miam miam, des noix de coco. Il sait rien faire, rien. Que des trous et même pas des gros. Allez, viens. Papa veut te dire quelque chose. Je m'en fiche de lui, je rentrerai jamais. Avec sac à main, on va partir sur une île à l'autre bout du monde. À l'autre bout du monde. En slip. À l'autre bout du monde, en pédalo, voilà. Et personne ne nous trouvera. Bon, ben bon voyage alors. Ah oh, aïe, oh. Morifiante de thon. Je l'avais pas vu celui-là. Attends, je me demande si... Oui! Cherche, sac à main, cherche! Tu vois, tu disais que c'était une bouche inutile, et ben, il a rapporté plus d'or en une seule fois que toi depuis tout le temps que je te connais. Oui, bon, ça va.
C'est incroyable. On a un croco flaireur d'or à la maison. Et on s'en doutait pas. C'est pas bizarre que ça nous vienne comme ça d'un coup. C'est peut-être les cervelles d'un cornet rôti. Avec le piment qu'il met, il s'est bouffé tout un plat, ça lui a décrassé les naseaux. Mais non, c'est ma prière à Super Pirate qui a marché. Il a fait un miracle et voilà. Hé, hey, tête d'oursin, les miracles, ça existe pas. Eh ben si, ça existe, espèce de face d'huître. Et toi, tu ferais peut-être bien d'y croire si tu veux qu'Aldo s'intéresse à toi. Sale petite rascasse, tu vas voir. C'est qui va pirater avec Victor, hein? C'est qui va rapporter tout plein de trésors en or? Alors, McBernick, rien de mieux à faire que de sortir la peluche de son gamin. Monsieur est jaloux, car monsieur n'a pas de croco flaireur d'or, lui. Un croco flaireur d'or, cette blague. Mais retiens-le, ton animal. Fais pas, il m'a échappé. Oh, une dent en or. Et même pas carié en plus. Écrevez, portez plainte. C'est ça, oui, on en reparle. Bon, tu nous excuses, hein. C'est qu'on a des trésors sur le feu, nous. T'es un champion, sac à main. Mais entre nous, évite d'aller fourrer tourner comme ça n'importe où, c'est pas ça. Je veux plus aller à l'école, je veux aller à la chasse au trésor avec sac à main. Tu as été très gentil de le prêter à ton père. Maintenant, on se dépêche, vous allez rater le bus. Eh, je l'ai pas prêté d'abord, il me l'a pris sans me demander. C'est pas juste. Avec sac à main, je pourrais devenir écumeur des mers professionnel. Et dès maintenant. Oh, tu m'écoutes? Aïe. Coucou, Scampi. Ça, c'est parce que toi, tu crois pas au miracle. Oh, lâche-moi, tu veux? Hé, hey, pour le flaireur d'or, hip hip hip. Capitaine, gagnons en vue. Sûrement plein d'or. Une prise de plus et le Samuel va par le fond. On est trop lourd. Juste un petit dernier pour la route. Tous à vos postes. Finalement, quand on cherche bien, on trouve toujours à se débarrasser de l'excédent de bagage. Bah, aujourd'hui, c'est vrai que c'est un jour de paye. N'empêche que 3 ans d'arriéré, ça pèse. Victor de McBelnick, vous comparaissez demain devant le tribunal pirate. Voici votre convocation. Qu'est-ce que tu lui fais? La prise est confisquée. Vous n'avez pas le droit. C'est un but à gagner, honnêtement, en piratant dans les règles. Un peu de silence, s'il vous plaît. En vertu de la loi pirate, les découvertes de sac à main, croco, flaireur d'or, ici présents, ne peuvent devenir la propriété exclusive que du seul propriétaire de sac à main. Moi ! Non, moi ! Silence ! Il ne peut y avoir qu'un seul propriétaire. Mais c'est moi, monsieur le juge, je vous le jure ! C'est pas vrai ! Même que tu voulais l'emmener à la SPAA ! Je l'ai dit, mais je l'ai pas fait. Sac à main, il est à moi, à moi. On amène le croco. Très bien. Vous allez voir ce que vous allez voir. Mais c'est qui ça? Mais c'est le gentil croco à ton papa. Arrête, sac à main. Par la loi pirate, je déclare sac à main et la prise de l'os à moelle confisquée hier comme appartenant à Bigorneau MacBernick. Bigorneau! Scampi a le petit frère le plus riche de l'île maintenant.
C'est le jour de paye. Ya yeah. Ça fait pas lourd une paye de matelot, hein, capitaine. Scampi, ça te dirait de sortir avec moi? Diamant, c'est pour les courses. Ce soir, je veux de la vessie de poulpe tiède avec des pâtes de crabe frites. Oh, c'est Aldo! Il vient me chercher pour m'emmener à l'école. Hé, hey, Scampi, ton argent de poche. Mais tu m'en as déjà donné hier. Merci, petit frère. Profitez-en, c'est pas tout le monde qui a un génie dans sa famille. Bonjour tout le monde. Mamie! Oh, manquez plus de ça. On ne vous a pas invité, vous. Je viens féliciter mon génial petit calamar rose. Tu sais que ton grand-père serait fier de toi. Je vais te faire un cadeau, mamie. Qu'est-ce que tu veux? J'ai vu Scampi partir sur un petit hors-bord qui me plairait bien. Tiens, mamie, t'as qu'à t'en acheter deux. Et en plus, il gaspille. Tiens, voilà le petit bigorneau qui part avec son croco flaireur d'or. Que ce sourire adipe est du flair pour l'or, ça tu vois, je ne peux pas l'avaler. Il paraît que c'est grâce à une prière, une sorte de miracle, quoi. Cet enfant a la grâce. Tu sais que ça peut arriver à n'importe qui. Vraiment? Et pourquoi ça n'arrive pas à ton iguane, alors? La seule chose qui me console, c'est que son père va en faire une jaunisse. Eh bien, mon gendre, vous en faites une tête. On dirait une murène constipée. Vous êtes jaloux ou quoi? Qui va pirater, mon chéri? Mille baleines. Oh, mais comment je pourrais faire pour que cet or soit à moi et pas à lui? Non, viens voir. Je reviens pas, Cruelle. Moi non plus. Ce n'est pas que je veuille déranger la sœur de Bigorneau McBernick. Mais tu as 2 heures de retard, Scampi. Jus de méduse bien frais, Lady Lou. Et la même chose pour la compagnie. Ouais, je regrette, hein. Y a juste de quoi éponger ton ardoise. Pas un turtle de plus. Eh bien, vous m'invitez, les gars? Il est plein aux as et il peut se faire rincer. Appelle ton fils de McBernick, hein, qu'il augmente ton argent de poche. C'est mon argent! Piraté personnellement et par moi-même. Oh, bah, non, merci, non, merci les amis, mais c'est à quel sujet? Bouge là, mon gars. Je vous appelle le grand Bigorneau McBernick. Ce gosse est un prodige. Grande des bulots, il a battu son record. Vous croyez qu'il y a un rapport avec Victor McBernick? Avec ce beluga échoué? Non, impossible! Bigorneau! Bigorneau! Arrêtez, mon malade! Excusez, je suis le papa! J'ai un mot à dire à mon fiston! Bigorneau! Salut, papa! Bon ben, on se voit plus tard! À demain, amour. Yeah! Il m'a appelé amour! Ça y est, moi aussi j'y crois au miracle. Il n'est pas la seule. Figure-toi que le gérant de Super Coco n'a jamais voulu me faire payer. Trop coin grand. Heureusement que je t'ai écrit là. Allez, vas-y, Krill. Cherche. Oh,
Les miracles, c'est toujours pour les autres. Bigorno McBernick, digne héritier de Max Turtle. Rien ne prédisposait cet enfant à sa fulgurante carrière pirate. Mais c'est quoi cette leçon, Scampi? C'est notre nouveau livre d'histoire pirate. J'ai le temps d'entraîner sac à main. Tu lui en demandes trop, Bigorno. À ce rythme-là, il tiendra pas le coup, ton sac à main. Et puis le dîner est prêt. Joue de mérou grillé et salade d'anémone. Eh, c'est pas ce que j'avais demandé. Je t'avais dit de faire des pâtes de crabe frites. Ça fait une semaine qu'on en mange, Bigorno. Et ça fait grossir. M'en fiche, c'est moi qui donne les turtles, c'est moi qui dis. Bigorno! Il y a mon papa et ma maman qui t'invitent à dîner. Après, on ira voir ta statue et le feu d'artifice. D'accord. Morufiante de thon, alors. Maman. Ça sent bon. On mange quoi? Ah. Corne de bulot. Allez à l'inauguration de sa statue avec cette raclure de fond de cale de le requin. Oh, fils ingrat. Jamais un vrai McBernick ne ferait ça. Jamais. Briser le vieux cœur pirate de son père. À 6 ans. Mais il a honte de nous, quoi. Tu te fais du mal, Victor. Ferme la fenêtre et viens dormir. C'est moi, le plus grand pirate de l'île. Je trucide, j'écrabouille et je m'en mets plein les fouilles. Oh. Il est où, sac à main? Bonjour quand même. On ne l'a pas vu. Sac à main? Sac à main! Eh oh, sac à main! Sac à main! Mon sac à main. Je vois! Maintenant qu'il n'y a plus de flaireur d'or à la maison, je suis plus assez bien pour toi! Eh ben, t'es qu'un macro rose! Voilà! Et je m'en fous de toi! C'est pas très ressemblant. Heureusement qu'il y a la récompense. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est ressemblant. On l'inaugure hier et on le flotte par terre aujourd'hui. Mais t'as vu les affiches, non? Sans son croco, le Bigorno McBernick, c'est plus qu'un moutard comme les autres. On déboulonne! Fais de la peine, Victor. Je devrais aller le consoler. Et puis quoi encore? Qu'il aille se faire consoler par son grand ami, le requin. Moi, j'ai autre chose à faire. Pauvre petit Bigorno. Si ça se trouve, son sac à main, il est déjà transformé en botte. Mais tu dis n'importe quoi, la sardine! Quand les animaux disparaissent, c'est parce qu'on fait des expériences médicales sur eux. Ah bon? Moi, je croyais qu'on en faisait des pâtes. Papa! 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 Bigorno! Papa! Il est tatoué? Non, il n'est pas tatoué. Alors, vous le retrouverez pas. Sac à main. 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 T'inquiète pas, Bigorno. Si ça se trouve, ton croco, il a été enlevé. Mais pourquoi on aurait enlevé sac à main? Est-ce que c'est moi? Par jalousie? Tout le monde était jaloux de ton croco flaireur d'or, même moi. Mais le plus jaloux de tous, c'est Irving. C'est lui. C'est le raptor de Croco! Mais qu'est-ce que... C'est toi,
les sacs à main. À vous, espèce de congre hypocrite. Et tu as reçu une demande de rançon? Non. Eh ben alors? Fausse piste. Viens, Bigorne. Et je vous signale que mon iguane aussi a disparu. Eh oh, ne raconte pas ta vie, hein. Regardez, elle le trouve à son goût. Elle? Eh bien oui, Froufrou est une fille. Tiens, c'est drôle, il se détestait avant. Viens, ma Froufrou. Je crois qu'un bain s'impose. Vas-y, sac à main, essaie encore. Avec un polype sur le nerf olfactif, il a perdu son flair. Il n'y a plus qu'une chose à faire. Laquelle? Trépanation. J'extrais le polype et vous, vous avez une belle descente de lit en peau de croco, madame Lucille. Non, personne ne touchera au colique à sac à main. Bougez pas, j'ai la solution. Tu peux remettre ta botte, la sardine? 3000 turtle? Mais c'est du vol! Peut-être, mais c'est à prendre ou à laisser. Celui-ci! Il a trouvé l'amour. Ça, c'est un vrai trésor. Aïe! La sardine! T'as ma bouche! C'est pas un flaireur d'or. Tu t'es fait avoir, pas. Tu l'as pas payé, au moins. Il m'a fait un prix.